tout le monde. Hier, on a installé le moteur dans le Jetta. Marc et Steve sont venus m'aider à installer ça. Fait que merci les gars de m'avoir aidé pour ça. C'est bien apprécié. Fait que dans le fond, on a installé la transmission sur le moteur, on a installé le support, puis après ça, on a descendu ça dans le char. Fait que je vais vous montrer ça. Il est beau, timelapse. Shit.
Le hood va fermer. Hein? Oui. Le hood, il ferme. Oh, ouais, ouais. Non, même. Ah oui, ça ferme. Ouais, ouais, parce que des pitons, là. Ouais. Le hood, il saute plus haut. Même que j'aurais pu le mettre un petit affaire plus haut. Hey, c'est complètement dingue, mon gars. C'est débile, man. On a un peu de chandelle. Fait qu'on vient de mettre le moteur dans le char. Avec Steve, je prends des photos, puis Marc. Ouais, comment? Fait que ça a bien été, là. On a rushé un peu. Les supports en arrière, j'avais fait ça dans le temps. C'est comme une puck de hockey avec une boat. Puis, ben honnêtement, c'est vraiment pas le best. On a eu de la misère à aligner ça. Fait que cette semaine ou un peu plus tard, moi, je vais. C'est quelque chose que je vais refaire. Là. Je vais me faire des sleeves en aluminium, puis ça va être pas mal mieux. Celui-là d'en avant, il va bien. C'est celui-là. Ça, c'est numéro 1. Les bottes aussi qu'on a pris, c'est ce que j'avais qui traînait. Là. C'est tout du temporaire. Fait que c'est quelque chose que je vais remettre les petits washers à loose avec des belles bottes neuves là, comme ça. Là. Mais sinon, c'est assez débile. Là. Vraiment content du résultat. Fait que on pourra continuer d'avancer. Aïe, j'en reviens pas. C'est que c'est débile. C'est que c'est hot. Ouais, c'est malade. Ok. Ouais. Fait qu'au moins, là, le moteur est dedans, fait que je peux continuer, je peux ajuster mes câbles, je peux commencer le downpipe, l'entrée d'air, les hausses à pression, les longueurs de fil, continuer à côte de fil. Fait que. Ben content de la journée. Yes.